Nous allons parler de CCAB d'abord. Procès de 28 septembre, verdict est tombé, mais jusqu'à présent, CC est en prison. CC est en prison. CC. Ah bah. Nous sommes tous étonnés pourquoi le verdict est tombé. Même lors du procès, tout le monde a demandé que CC soit libre. Le verdict est tombé. Et jusqu'à présent, le ministère de la Justice, ils ne se sont pas encore prononcés sur la libération de CC. On nous dit, parce que Dadis a été tiré au camp Makambo à l'époque, donc qu'est-ce que CC a à voir dans ce que Toumba a fait? C'est Toumba qui a tiré, plutôt CC a sauvé. Mais la justice guinéenne, franchement, c'est quoi le problème? Vous avez déjà fait ce procès. Dans l'affaire de l'attaque du camp Makambo, c'est Toumba qui a tiré sur Dadis. Si CC doit comparaître pour venir dire sa vérité, libérez le monsieur maintenant, il va voir sa famille. Parce que personne n'a dit que CC a tiré sur Dadis. Libérez CC maintenant, justice guinéenne. Les gens pensaient que c'est dès le jour que le verdict a été rendu. Au moins, vous allez le conduire chez lui. CC va fuir pour aller où maintenant? Vous gardez le monsieur jusqu'à présent. Non, franchement, c'est dommage. Hein? On m'avait dit que CC était toujours à la maison centrale. Je n'y croyais même pas. C'est aujourd'hui, j'ai vu la sortie de son avocat que j'ai compris, effectivement, CC est toujours en prison. Franchement, ça, ce n'est pas une justice de honte. Ça fait combien d'années que CC est là-bas? D'ailleurs, moi, aurait été moi, l'avocat de CC, vous devez tout faire pour que l'État guinéen récompense, dédommage CC. Ça fait combien d'années le monsieur est privé de sa famille? Ça fait combien d'années? Combien d'années? Si vous voulez commencer le procès de l'attaque du tir contre Dadis, personne n'est contre. Mais vous saviez déjà tous ce qui s'est passé là-bas. Personne n'a dit que CC a tiré sur quelqu'un, CC a frappé quelqu'un, CC n'a rien à voir dans l'affaire de Koundara. Ça, c'est entre Toumba. Ça, c'est entre Toumba et Dadis. Les deux sont détenus. Mais la justice guinéenne laisse CC maintenant rentrer chez lui. C'est ce qu'on a à vous dire ici. Lors du procès, vous avez vu les commentaires. Tout le monde a dit que c'est un innocent. Tout le monde. Vous-même, vous avez jugé. Il est innocent. Donc, laissez CC rentrer chez lui maintenant. Voilà.